je suis de retour pour plus de Monster Hunter Freedom Unite. Et ça fait au moins 150 fois que je leur fais ça parce que mon micro est jamais bien placé. Bon les gars, en espérant que cette fois-là, ça soit la bonne. Et on chasse un Gravios aujourd'hui. Je sais pas si je l'avais déjà dit, vu que je l'ai dit au moins une 150e fois. 150 fois plutôt, pas 5e. Ah les gars, je parle mal. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est Gravios le sujet d'aujourd'hui. Monster Hunter Freedom Unite et le fait que cette vidéo a été enregistrée d'avance. Pas la journée même que je l'upload, je sais même pas quand je vais l'uploader, mais ça va être un jour, peut-être. Et vu le nombre de temps que ça m'a pris pour commencer à enregistrer ma voix, je pense que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, on chasse Gravios avec une armure de Gravios, qui n'est pas très utile avec une flûte de chasse, parce qu'il y a garde plus 1, si je me rappelle bien. Fait que c'est pas très utile avec une flûte de chasse, mais il y a un talent qui nous empêche de dormir, que j'avais complètement oublié pendant que j'ai fait cette quête-là. Avant, jusqu'à la fin, je pense. Je pense que je m'en suis rendu compte parce que je me suis fait pogner par son gaz endormant du Gravios vers la fin de la vidéo, mais avant ça, je l'avais complètement oublié. Fait que, criez-moi pas dessus quand que je vais pas chercher mes coups gratuits quand il fait son gaz endormant. C'est parce que je l'avais oublié, bon. Mais, c'est ça. Le Gravios commence à je sais plus trop où. Comme qu'on peut voir dans la vidéo. Même, je l'ai fait. Je viens de le chasser, puis je ne me rappelle même plus où c'est que commence. C'est comme ça que ma mémoire est très bonne. Oui, qu'on le sait. Mais, je suis en train de manquer de voix. Il est faible à l'élément de l'eau et de dragon. Je sais pas pourquoi, mais il semble que dans Unite, sont beaucoup de monstres qui sont faibles à l'élément de dragon. Mais en tout cas, j'imagine que c'est dans tout Monster Hunter qui sont tous faibles contre l'élément de dragon. C'est un élément surpuissant. Mais écoutons, oh, je joue pas avec ça, mon dit niaiseux, tu vas diminuer ton micro. Ok, je me parle, ok. Je me parle. Puis Gravios, ben je pense qu'il commence à 5, si je me... Ben je sais pas, je sais que je vais me rendre à 5. Fait qu'il doit être à 5. Oui, 5 est le chiffre chanceux. Mais c'est toujours plate de se battre dans le volcan, moi je trouve, parce que les monstres, comme le Gravios et le Bazarios, sont tout le temps en train de charger sur toi bien lentement, puis ils s'en vont dans la lave après. Puis là, ils reviennent bien lentement, ils sortent de la lave, puis ils reviennent se tirer dans l'autre bord de la lave. Fait que tu niaises en tournant en rond pendant un bon 5 minutes. En plus que le Gravios, quand il est fru, veulent tout le temps faire son laser. Fait qu'il reste dans la lave, il fait son laser, puis toi, tu peux rien faire à part dormir. Et ça m'arrive pas vraiment dans cette vidéo-là, mais ça m'arrive généralement quand je chasse le Gravios. C'est un petit peu plat quand il fait ça. C'est vraiment la chenoute de la schnapps. Ah non, j'ai soufflé dans mon micro, ça va faire pssss. Mais écoute, non, fait que le Gravios, c'est grand. Très grand, j'ai manqué ma pinball. Oui, je m'en rappelais. Qu'est-ce que j'ai... Je suis en train de virer fou. On peut couper sa queue, puis on peut briser son torse. Deux fois son torse qu'on peut briser. Contrairement à une fois du Bazarios, il me semble, c'est une fois. Puis utiliser des bombes contre le Gravios, c'est une bonne idée, surtout si on utilise une arme qui endort. Fait que si vous pouvez endormir le Gravios, puis mettre des bombes, c'est très efficace dessus, parce que les bombes, ça change absolument rien son armure. Parce qu'il y a beaucoup de défense, le Gravios. Et disons que les bombes, puis la Gun Lance aussi, c'est une bonne arme à utiliser contre tous les monstres qui ont une grosse armure. Et les bombes, évidemment, c'est bon. Fait que endormez-le puis utilisez des bombes, ça va le massacrer en rien de temps. Malgré que c'est aussi le cas pour la plupart des monstres là. Mais lui, moins de vie. Ben, je sais pas vraiment sa vie. J'ai jamais vraiment su c'était quoi sa vie. Mais en tout cas, j'imagine qu'il en a moins à cause qu'il y a beaucoup de défense. Fait que des bombes, ça doit être efficace. Et quand il fait son laser de même, des fois il fait un genre. Il fait son gaz de feu suite après, puis on peut savoir quand il fait, quand à cause qu'il y a du la poudre noire autour de lui. Je pense qu'on va le voir tantôt, je l'ai expliqué mieux là. Et avec la flûte de chasse, toujours bien de se mettre l'accélération, la musique d'accélération. C'est la flûte de corde, c'est la corde de chasse. J'hésite à dire la flûte ou corde, puis là je dis les deux en même temps. Ça marche pas mon affaire. En tout cas, la flûte de chasse, celle-là. En ce moment que j'ai, c'est plus une flûte de chasse de co-op, c'est-à-dire qu'elle remplit, elle donne des bonnes choses pour les autres. Mais pour quand t'es tout seul, il n'y a pas vraiment de musique que tu fais. Que t'as besoin de faire pour le faire, comme à ta cop, à défense. On dit que je parle bizarre, hein? Mais en tout cas, fait que c'est une arme co-op, bon, c'est ta flûte de chasse-là. Mais disons que dans Unite,
La plupart des flûtes de chasse sont plus co-op que dans Monster Hunter Portable 3rd. Parce que dans 3rd, ils l'ont un petit peu amélioré dans le sens qu'elle est moins pas utile quand tu joues tout seul, dans le fond. Parce qu'elle est plus forte tout seul. Puis tu peux faire des musiques en attaquant. C'est, je vais l'utiliser quand je vais rendu à 3rd, puis vous allez voir que c'est vraiment mieux. C'est l'arme que j'utilisais pour compléter le jeu. Je l'ai utilisé du début à la fin, puis ça a été très bien. Contrairement à Unite, que surtout que tu commences à être dans G-Rank ou dans I-Rank, ben t'es dans Schnut Schnaps. Je sais pas pourquoi je dis les deux maintenant, mais regarde! C'est ça qui est ça! Et quand je disais que je chargeais comme... C'est comme ça, là. J'arrête pas de charger de même, puis il s'en va dans la lave. C'est... Je recommanderais de pas apporter un chat pour sa quête-là, parce qu'il fait souvent ça, ou ceux qui change de d'aggro, si on veut, sur le chat, ben il fonce dessus comme un innocent. Puis là, il me fonçait dessus de même, puis j'ai dit, ah, fuck, je fais pas ma toune, je m'envoie frapper dans la face. Fait que c'est ça que j'ai fait. Pendant que ça venait vraiment lentement. Et son coup de queue, je pense que ce serait la chose la plus dangereuse, parce que pour ceux qui sont au corps à corps, pour ce niveau-là, parce qu'il y a un niveau G-Rank et une attaque de laser qui fait un petit peu plus, qui est un peu plus traumatisant, si on veut. Mais, coudonc, cette attaque-là est facile à passer au travers, comme je l'ai démontré. Même s'il est gros, c'est étrange, mais c'est son temps de pognage, de pognage, de pommage, de croque. Mais il est vraiment petit, fait que tu peux facilement éviter au travers de la plupart de ses attaques, même son laser de la mort. Mais il faut pas que tu t'évites vers l'avant son laser, faut que tu évites vers les côtés, parce que sinon tu te fais pogner. Et c'est ça le gaz qu'il fait tout de suite après son laser. Et c'est très bien de mettre des bombes aussi quand il fait son laser, vu que s'il fait de la poudre par après, ça va le frapper. Fait que c'est ça que je fais. Mais je pense que c'est ta bombe là avec plus nuisible qu'autre chose, mais c'est pas grave. Faut toujours mettre des bombes au bon endroit, mais là ça l'est pas. Et comme j'ai dit, on peut passer facilement au travers de ces attaques, même si on croirait que non. Contrairement au Plesioth, que ses champs de force sont un petit peu durs à faire, mais lui, c'est... Il est down une bombe! Ses champs de force sont pas très... Mais vous savez c'est quoi des hitbox? Je peux continuer à dire des hitbox, moi, t'as dit. Mais je te dis, une potion antique, hein, ça fait-tu du bien, une belle petite potion antique? C'est un petit peu... compliqué à faire là en termes de combinaison pis toute la quête, mais ça vaut à peine en maudit. Je m'en suis full combiné. By the way, je pense que j'en ai au moins 80. fait que c'est pour ça que je l'utilise quasiment à chaque quête de mes poudres antiques. Oh! Ce qui m'appelle! Je sais pas pourquoi ça m'apporte le moment en tout cas. La vidéo d'écologie de Gravios, soit il est baisse un peu, parce que vous allez le voir à la fin de cette vidéo là. Mais c'est genre vraiment rien. Je sais même pas pourquoi ils ont pris la peine de faire une vie. Des hauts d'écologie juste pour faire ça. Parce que c'est vraiment rien. Mais en tout cas, je pense que... Parce que cette vidéo-là d'écologie, c'est du premier Monster Hunter, comme celle de Rathian. J'imagine que c'est pareil. Pour tous les monstres du premier, comme Plesioth aussi. Toutes les premières vidéos d'écologie qu'ils ont faites sur le premier Monster Hunter. Puis on dirait qu'ils se sentaient forcés de faire une vidéo sur Gravios pour une raison que j'ignore. Parce qu'il y en avait une sur le Diablo aussi. Puis il y en avait une sur le Kazoo. Dans le fond, qu'est-ce que j'en viens, c'est qu'il y en avait une sur toutes les quêtes que tu débloques à la fin, un monstre. Fait que j'imagine qu'il n'y avait plus d'inspiration pour le Gravios. Fait qu'ils ont décidé de faire fuck. Bon, en tout cas, j'imagine qu'on pourrait considérer la vidéo d'écologie d'Encantor, la vidéo d'écologie de... Et c'est là que je m'en suis rendu compte que je pouvais aller dans le gaz de sleep. Mais en tout cas, la vidéo d'Encantor peut être considérée la vidéo de Gravios aussi, parce qu'il y a les deux dedans. Considérer la mort de Gravios. Mais regarde, on a assez parlé de vidéos d'écologie qui servent à rien. Comme vous voyez, j'ai une arme super puissante et ça me prend du temps à le tuer quand même. Mais ça, c'est parce que je suis pas pro avec cette arme-là, malgré que je sais comment l'utiliser normalement. Ça faisait longtemps que je l'avais pas chassé non plus. Je me donne des excuses, ok? Mais, coulons, il commence tout le temps dans la lave. Et s'il fait son laser comme ça, c'est bien le fun parce que t'as rien à faire pendant ce temps-là. Avec une flotte de chasse, au moins, ça te donne du temps de faire des tunes. Ce que je fais, je pense. Je sais pas si je le fais au complet. Je pense que là, je me suis fourré, fait que là, ça va être non. Je me rappelle plus. Est-ce que je vais l'avoir au complet ou pas? Fais ça. Ah non. Il me charge dessus. Je m'aurais fait pogner avant d'avoir ma tune au complet.
je faisais la protection divine, si je me rappelle bien. Fait que protection divine, c'est très bon, mais ça l'est encore mieux dans Monster Hunter Frontier, parce que dans Frontier, ça fait aucun dommage quand ça s'est activé, mais c'est plus rare aussi. Mais disons que ça peut être très utile si t'es chanceux. Si tu l'es pas chanceux, ben ça sert à rien. Mais dans celle-là, ça te fait moins de dommages, mais il s'active assez fréquemment. Fait surtout avec la flûte de chasse, la musique de flûte de chasse. Fait que c'est bien, c'est très bien. Oh, une roche en plein écran. Yeah! J'aime les roches. Ça, c'est un. Si t'as un marteau, une flûte de chasse, c'est une très bonne occasion de frapper sa tête quand il fait le laser. Fait que prenez-la, l'occasion. Faut toujours prendre toutes les occasions qu'il nous donne. Puis prendre des risques quelquefois si on pense pouvoir passer au travers d'une attaque. Et ça, j'ai toujours manqué mon coup quand j'ai essayé de faire ça. Mais coudonc, je suis pas habitué. Oh non, j'ai pas baissé mon micro par hasard. Oh, je viens d'accrocher mon micro. Et on peut utiliser cette attaque-là aussi pour le pogner pendant qu'il fait ça. Mais c'est un petit peu plus risqué parce qu'il faut que ça aille un petit peu plus précis. Et là, je pensais que ça aurait été son gaz de sleeping, mais ça m'a l'air que non. oh, c'est à cause que j'avais pu... Quand on joue avec un corps de chasse, une flûte de chasse ou quelque chose de même, on dirait que les musiques d'accélération, la musique d'accélération, elle part tout le temps au mauvais moment, pire moment, quand il faut que tu t'enfuis en courant juste un peu, c'est là que ça part. Ceux qui l'utilisent, la flûte de chasse, savent de quoi que je parle. Mais allez, il reste à tuer un Gradius. Et pour les prochaines vidéos, ça va être bizarre quand je vais fonctionner. Mais en tout cas, pour les propositions que je parle, comme là, j'avais pas eu de proposition pour Gradius. Ah oui, je l'avais eu, c'est vrai, mais je l'ai pas pris et j'ai baissé mon micro. Maudit micro, j'aime pas ça. Replace-toi, petit micro. Il est trop sensible, ce micro-là. Faut que tu le places à la bonne place pour qu'il catch comme du monde. Puis là, je sais plus s'il est à bonne place. Trop tard, je l'ai changé. Fait que. Même je savais même pas comment ça, s'il était à bonne place. Non, je vais pleurer. Yeah! Non, pas vraiment. Mais écoutons, surtout qu'il faut que je parte bientôt. Partir à l'aventure. Va falloir que. Dimanche, je serai pas là de la journée, c'est vrai, chiant. Mais là, si cette vidéo-là, avec probablement après dimanche. Ok, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fais le dimanche? C'est que je monte un garage. Un garage. Pour l'hiver, parce que, eh hey, oui, c'est vrai en plus. Commence, il annonce la neige bientôt. Pour ici, mais disons que c'est jeudi prochain, fait que c'est un petit peu trop d'avance pour savoir si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, les températures commencent à baisser. Et on a tué le Gravios, et je suis en train de parler de météo, tout ça, tu du bon sens? Je parle de vraiment n'importe quoi dans mes vidéos. Mais coudonc! Mais c'est parce qu'il y a de la neige, yeah, de la neige! Et on botte la tête du Gravios. Si vous vous demandez pourquoi je prends jamais les ressources, que je le dépasse jamais les monstres par après, c'est parce que j'ai pas vraiment besoin de ressources, parce que ma boîte est pleine. C'est autant de ressources que ça que j'ai. La plupart sont inutiles, genre peut-être 10 rangées de paintball ou 10 rangées de insectes, mais en tout cas, je sais pas pourquoi j'y jette pas ou j'y vends. Bon, allez, gars, parce que je suis stupide. Je m'insulte au moins une fois à chaque fois par vidéo, hein? Quoi? C'est parce que mon chat m'haït. J'ai pas de chat, mais le chat qui est dans le jeu, je parle. Hey, c'est-tu le fun quand il n'y a pas de chien, par exemple? On peut faire une vidéo très bien sans se faire interrompre, parce que dernière fois, disons qu'on s'est fait interrompre une dizaine de fois par les chiens. Mais écoutons, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous laisse avec la superbe vidéo écologique qui dure 10 secondes, je pense. Non, j'en ai aucune idée. Marco. Bye bye!